Pas tout, c'est à tout. Avant de commencer ce que moi je vais appeler le cri de gueule, mes coups de gueule, bien quoi, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances aux familles des danseurs de Dobado le Kumfa. Donc, danseurs de Dobado le Kumfa, les familles, vraiment mes condoléances. J'aimerais aussi dire Yako à Dobado le Kumfa qui est donc actuellement hospitalisé. Maintenant, j'aimerais m'adresser spécialement, et c'est ce que vous pouvez appeler clash, spécialement aux artistes coupés, décalés de mon pays Côte d'Ivoire. Je sais que vous allez appeler ça clash. Pour moi, c'est conseil. C'est un truc que tout le monde sait déjà, qu'on voit d'habitude, mais que personne ne dit. Tu vois? Vous pouvez appeler ça clash. Celui qui veut répondre à cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais que ce soit un clash ou un débat constructif. Tu vois? Allez-y chercher des mots. Je veux des verbes. Je veux que vous me donniez des excuses. Des choses qu'on peut, on peut vérifier. Ne dites pas les choses parce que vous voulez dire des choses au hasard, mais parce que vous êtes frustré, mais vous avez mal que quelqu'un vous attaque pour une fois. Toi, tu dis quoi? Vous êtes là, c'est vous qui foutez la merde dans le pays. Depuis que le coupé décalé est arrivé, dites-moi une seule chose de bien qui s'est passé dans le coupé décalé. Un seul truc. Rien. À part le fait que vous en gérez le peuple, les gars dansent. Il n'y a rien de bon dans le coupé décalé. Moi, qui vous dis, les gars, vous, ça vous a donné de l'argent, c'est vrai. Aujourd'hui, demandez que le coupé est malade. Vous êtes en train de crier sur nous, les fans, pour qu'on aille aider financièrement. Où sont vous, vos brouteurs dont vous citez le nom tout le temps? Les gars qui viennent verser l'argent sur vous, pourquoi ils ne vont pas verser l'argent sur Dobado le Kumfa, le docteur à l'hôpital? Vous êtes assis là, en train de parler de Yaya Touré. J'ai entendu un con là, en train de parler de Yaya Touré, que Yaya Touré ne peut pas signer pour donner l'argent au gars. Le gars, c'est un travailleur, footballeur, il a une famille. C'est pas à lui de venir te dire que non. Pendant que tu es assis là, en train de payer les Range Rover et tout le reste là, tu n'as pas l'argent pour aller payer assurance. Tu vas penser à aller payer assurance, l'inconscience, le coupé décalé. Inconscience. Qu'est-ce que ça va apporter à la jeunesse africaine? La joie. La joie. On va pas travailler un peu? On va pas à l'école? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y a un de vous qui s'est levé pour aller dire un jour à la télévision, parce que c'est vous qui passez à la télévision? Nous, on ne passe pas à la télé, c'est vous qui passez à la RTI. Parce qu'un homme vous peut prendre le micro. Quand vous êtes prêt pour vous plaindre là-bas pour dire que la RTI vous censure, vous êtes prêt pour aller vous asseoir pour dire qu'on n'a qu'à vous soutenir parce que tel ou tel est mort ou tel ou tel fait ça. Vous faites quoi pour cette nation? Coupé décalé, dès que tu vas couper décalé, on a l'impression que tu es maudit. Parce que c'est la même bêtise quoi. C'est venu payer paro. Dit que j'ai payé voiture. Dit que j'ai moins de dépenses millions. Tu es assis en train de verser champagne en boîte de nuit et tu ne peux pas te lever pour aller payer une assurance pour que toi tu es mal. Il faut qu'il y ait un bâtard là-bas qui se lève pour aller dire que non, à cause de lui. Père, là on pense à le faro. Il est obligé, c'est comme si tu es maudit, qu'il est obligé de dire que non, j'ai fait mon cri de cœur, mon cri de gueule ou bien quoi, et que le ministre, à cause de moi, le ministre Ahmed Bakayoko vient aider le gars à cause de lui. Yo, on est fatigué. Ça fait pitié la Côte d'Ivoire. Et vous ne dites rien, c'est à cause de vous. Il y avait la guerre, c'est vrai, mais quand le coupé décalé est arrivé, après, la tête s'est passée. Vous avez empiré la chose de la Côte d'Ivoire. Vous avez empiré tout. Tout. C'est moi qui le dis, envoyez-moi un débat constructif. Venez vers moi et puis venez avec des verbes. Vous avez apporté quoi? Il n'y a pas de texte pour commencer. On va danser, c'est vrai. C'est intéressant. Mais qui sort de là et puis va construire quelque chose? Aucun de vous n'a construit une école. Vous êtes en train de verser l'argent partout, dit que vous avez l'argent. Aucun d'entre vous, quand on vous regarde à chaque fois arriver à Abidjan, moi je sais, j'ai des amis, mes amis à moi, c'est vous. Quand j'arrive à Abidjan, je vous vois et je vous parle. Quand vous avez l'argent, vous pouvez construire maquis pour que les gars aillent boire. Qui construit l'école entre vous? Mais à Abidjan, tous les artistes sont maquis. Ils ont maquis. Ça veut dire payer une voiture pour envoyer là-bas pour qu'on aille vendre. C'est tout. Qui d'entre vous fait ça? Vous ne vous rendez même pas compte que quand vous coiffez vos cheveux d'un côté comme ça, les enfants la font ça aussi. Juste pour vous montrer comment les gens copient. Quand vous fumez sur caméra, les enfants la fument aussi. Quand vous buvez sur caméra, les enfants la boivent aussi. Vous ne vous rendez même pas compte qu'à chaque fois qu'il y a clash sur Facebook, c'est un gars du coupé décalé. Zougou va jamais se déparer de clash. Hein. Mais dit que toi, tu dis quoi ici? Jamais on a vu ça. C'est vous. Que vous. Toujours c'est vous. Nous, on a nos parents qui sont à Abidjan, qu'on doit aller aider parce qu'ils souffrent. Et on doit encore s'occuper de vous parce que c'est toujours vous. Quand tu regardes un peu l'accident de Dobado le Kumfa, tu sais que le gars filait en plein.
Il filait. C'est vous qui avez le droit dans le pays de filer comme ça. C'est toujours vous. Voilà, mais les pauvres enfants sont morts. Vous allez effacer ces débats-là et nous perdre dans un débat du fait qu'on doit aller aider de le coup, aider les gens qui sont à l'hôpital. Vous voulez nous perdre sur ce débat-là aussi parce que c'est l'Afrique. Mais réveillez-vous. C'est à vous de dire aux gens de rouler doucement. Dites ça aussi. Dites ça aux gens de rouler doucement. D'arrêter de rouler comme des fous dans Abidjan parce que tu es un Range Rover. Dites ça aussi aux gens. Appelez vos brutes, appelez brutes sur vous parce qu'eux sont là-bas. C'est toujours eux qu'on entend parler d'eux. Et ça, c'est du vol qu'ils sont en train de faire. On met d'autres en prison, d'autres ressortent. Ça ne suffit pas. Vous ne donnez pas de conseils aux gens. C'est toujours ces gars qui sont en Europe qui entendent. C'est eux. Nous, là, personne ici. Tu vois les gens qui sont conscients ici, là. Personne des brutes, là. Il n'y a pas un qui est américain, mais qui est canadien. C'est toujours les gars de l'Europe. Lui, là, de Paris. L'autre, là-bas, de London. Un autre morceau, je ne sais plus où. Jamais tu entends un gars des États-Unis ici. Hein. À part nous, ne fais pas y inciter la voix. Là. La grosse viandue là, comment elle s'appelle même? Oh, Mati Dola. À part elle là, nous tous on est calés ici. Hein. Et elle-même encore, s'il y a des choses qu'on doit dire, il y a beaucoup à dire sur elle. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Vous ne dites rien à la jeunesse ivoirienne. Vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire. À part mettre la joie et qu'on dise que non, c'est vous. C'est la Côte d'Ivoire. On a tel danseur, tel chanteur. Regardez le Zouglou. Il parle de la misère, la galère. Ils ont des textes. Quand tu écoutes, tu vois. Quand tu débarques chez les gars de Zouglou, ils ne font pas ta page. Hein. Ils sont toujours ensemble. Ils jouent au football ensemble. Prennent ta cible, débarquent chez les gens, ils bouffent les mêmes foutous ou les mêmes poulets. On a l'impression que non, quand tu coupes des calices, tu dois forcément boire champagne. Dis que non, tu manges caviar. Et que non, tu vas à Paris. Et que tu vas ici, tu vas là-bas. Mon frère, tu n'arrives pas au pied de quelqu'un qu'on appelle une star. Star, là, ils sont ici. Les Lil Wayne que tu veux ressembler à Lil Wayne, là. Lil Wayne à la télévision en train de dire aux gens, allez à l'école parce que notre milieu est pourri. C'est la drogue, c'est la prostitution. Donc, allez à l'école. Eux, là, c'est star. Ils ont des conneries qu'ils font, hein, mais ce n'est pas votre degré de conneries. Vous copiez toujours ce qui est mauvais. Il n'y a rien de bon que vous savez copier. Vous copiez tout ce qui est mauvais et partez pourrir la Côte d'Ivoire avec. Parce que nous, on vous regarde, nos petits frères, là, ils sont encore enfants. Il est parti de détourner. Ces petits enfants, ces enfants qui sont à Bobo, les enfants qui sont à Yamé, qui vont remplir le stade. Et vous pensez que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des stars. Vous êtes encore à l'espace de nuages. Stars sont encore plus loin. C'est le respect. Quand tu meurs, on dit non, c'est un grand type. Il parle, tu es inspiré. Tu as envie de faire quelque chose. Tu dis quoi à la jeunesse ivoirienne? Tu fais quoi pour nous? À part venir te montrer, brouter, insulter, faire parler sur face. Quoi d'autre encore qu'on vous voit faire? Vous voulez n'importe comment d'Abidjan. C'est toujours vous qui êtes dans les accidents. C'est toujours vous que non, le ministre va voir pour participer à cela. Vous avez déjà fait un projet pour quelqu'un? On va vous voir. Pourtant, vous connaissez les grands ministres et tout. Vous avez déjà placé quelqu'un pour faire un projet? Un projet qui va loin. Vous avez aidé des gens pour faire des projets? Non! Non! Mais pourtant, c'est vous qui suivez les joueurs. Didier Drogba. Yaya Touré, tous ces gars, vous les suivez pour dire que vous les connaissez. Nous, on ne les connaît pas. Oh. Mais nous, on assiste en train de donner des conseils à la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Les gars, allez à l'école. Coupez, décalé, il n'y a rien dedans. D'ailleurs, voilà nos frères qui sont morts dans la voiture. C'est ce que tu veux faire de ta vie? C'est ce que tu veux faire de ta vie? Mon frère, va à l'école. Quand tu vas grandir, ton argent, tu vas réinvestir pour tes parents. Les gens sont en train de mourir actuellement, un à un. Papa François Cognac est mort. Papa Wemba est décédé. Mohamed Ali, Prince. Tous ces gars qui disaient cette année, on n'est que en juin. On n'est que en juin. Tous ces grands sont morts. Et on est que en juin. Imagine les petits qui sont en bas. Les gens qui ne sont jamais sortis de télévision, qui sont décédés. Ils sont encore plus nombreux que ceux-là. Toi, tu es qui? Tu mourras un jour, tu seras poussière. Derrière toi, qu'est-ce que tu laisses? Ils ne construisent pas maison. Ils payent voiture pour te promener devant toi. Pour aller moucou ces filles-là, à qui ils ne donnent même pas une éducation pour dire à ces filles-là, restez chez vous, allez à l'école. On a assis en boîte à 17 ans, avec des filles de 17 ans, 18 ans, et demain tu vas nous parler de quoi? Et puis les femmes du coupé des calais, les filles, vous faites quoi dedans? Allez préparer.
aller chercher Marie. Vous faites quoi dedans? Laquelle de vous sait chanter même? Zéro. C'est moi qui ai dit, hein. Venez avec histoire de quelque chose de constructif. Qui sait chanter entre vous? Qui sait chanter entre vous? C'est même pas parce que José, ma soeur, même José, même là, elle chante, elle qui a chanté dans le couple, elle a chanté. Vous chantez quoi? Et elle n'est même pas artiste coupé décalé en plus. Elle fait soul R&B. Elle a juste adapté pour couper décalé. Vous faites quoi dans la chanson là? Les filles, allez vous chercher putain business. Finissez l'école. Papa Ami Sarah, mais quand écoute sa voix, ça me fait mal. J'ai mal à la tête. Tu fais quoi dedans, Ami Sarah? Tu fais quoi dans couper décalé? Tu fais quoi là-bas? Je ne vais même pas citer d'autres encore. Je vais m'arrêter là. Vous êtes mère d'enfants. Vous avez dit quoi à vos enfants? C'est ça là que tu as fait? Tu nous as apporté quoi? Tout ce qui était en Afrique était bien avant, c'est empiré. Tout ce qui était mauvais, c'est empiré. Coupé décalé a apporté quoi? Pour la Côte d'Ivoire. Vous venez nous dire quoi ici? Et c'est pour frapper là, oublier. Bon, vous n'avez pas pour me frapper, oubliez ça. Pendant qu'il y a d'autres qui sont là, l'autre côté, l'autre là, Mori. Mori, le Mola qui passe le temps à arnaquer les gens sur Trace TV, prend 5-10 millions et puis ton truc ne passe même pas, ne passe une seule fois. Alors c'est quel nigga qui m'appelle là même? Hein? C'est ça le coupé décalé. C'est ce que vous avez apporté. C'est l'image que vous avez donnée à toute l'Afrique et donc petits personnes sont en train de vous suivre. Et c'est ça, c'est pour ça que nous on parle. Et si on ne peut pas parler encore parce que quoi c'est l'Afrique et que tout est tabou, à cause de vous, vous êtes qui? Vous êtes supposé nous représenter en dehors de l'Afrique. Et vous nous foutez la honte. Et aujourd'hui, vous venez de lever pour dire qu'on a qu'à aller aider quelqu'un. Ça nous fait mal, c'est un frère. On ne veut pas qu'il meure. On l'aime beaucoup, on aime beaucoup ses chansons. Mais vers la fin, quand il va ressortir de là, j'espère que ce sera donc une leçon pour lui et pour tout le reste. On espère. Parce que vos brouteurs, là, ils sont où pour verser l'argent sur le docteur? Ils étaient où pour verser l'argent sur le gars qui est mort à cause de 500 000 francs de votre faute? De votre faute! Ils étaient où? Parler aux gens, vous roulez vite pour tuer un peu des gens. Sensibilisez-vous vous-même avant de nous parler à nous. Arrêtez de faire vos vidéos pour dire non, ceci, cela. Non, allez là-bas. Allez faire ça. Allez vous déplacer, vous. Allez là-bas, demandez pardon aux familles. Vous êtes inconscient et que c'est nous qui devons vous suivre. Coupez, décalé, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? En 20 ans. Quoi? Lequel d'entre vous s'est levé et puis est venu faire des choses ici? Hôpital, vous n'avez pas vu construit. Pourtant, vous avez des millions. Il y a des gens qui font des conseils et puis on verse des millions sur eux. Max Gradel va verser sur eux. Oui, il a son argent. Il travaille, on voit son travail qu'il fait. L'argent, tu as fait quoi de ça? Tu as construit l'hôpital? Pour qu'on aille se soigner dedans? Tu as fait une assurance pour pouvoir aider tes frères artistes? Tu as eu un projet de quelque chose? Tu as payé une maison? Tu as payé une voiture pour ta mère? Tu avais nous dire quoi ici? Va voir tes boucantiers. Allez voir vos boucantiers. Les quoi de Bordeaux? Lui là de Lyon. L'autre là-bas de Paris. Lui là-bas de quoi, quoi? Allez les voir. Allez les voir. Nous on compatit. Ça nous fait mal. On espère que vous allez prendre conscience et donner conscience aux autres. C'est bon, il finit de parler.